La cruelle raison poétique. Rapace besoin d'envol. Nous ne sommes pas encore capables de nous rendre attentifs comme il faudrait au destin d'Antonin Artaud, ni ce qu'il fut, ni ce qui lui arriva dans le domaine de l'écriture, de la pensée, de l'existence, même si nous le connaissons mieux. Nous ne saurons nous faire signe d'une manière suffisamment claire. Il y a pourtant des vérités partielles que nous devons fixer momentanément. Qu'il fut doué et tourmenté d'une extrême lucidité, qu'il fut constamment en souci de la poésie et de la pensée, et non pas de sa personne à la manière romantique. Qu'il s'exposa à une exigeante bouleversement qui remettait en cause les données de toute culture, particulièrement celle du monde contemporain. Nous renoncerons, pour l'atteindre, à l'image conventionnelle du génie foudroyé. Nous n'oublierons pas l'espace de douleur, de recensement et de cri dans lequel il fut maintenu. Mais nous ne le verrons jamais porter sur lui-même un regard de complaisance qu'il n'aurait visé que lui-même. S'il s'est interrogé avec soupçon sur l'énigme qu'il représentait, c'est que cette existence énigmatique le mit constamment aux prises avec des conditions et des rapports nouveaux. Exigé par l'esprit de poésie où il y fallut demeurer sans prendre appui, sur les formes sociales ou religieuses traditionnelles. Qu'il n'ait pas succombé, qu'il soit retrouvé parmi nous, étranger, mais d'une étrangeté pure et préservée, avec une autorité que son langage ne trahissait pas. Voilà seulement ce qui nous étonne et doit nous aider à discerner en lui la force de la raison poétique. Raison qui ne fut jamais confuse, mais d'une nécessité si tranchante, d'une fermeté si rigoureuse qu'il dut former pour elle le mot de cruauté. Maître, j'ai trop de lumière. Apportez-moi l'obscurité. Moi ? C'est cette cruelle raison poétique qui, selon les voix d'une particulière souffrance, le rendit d'abord extrêmement difficile pour sa propre pensée, puis à un stade ultérieur, le provoqua à chercher dangereusement dans la communication de l'art et du sacré, une forme nouvelle de l'art et une conscience nouvelle du sacré. Il y a
l'arbitraire interpréter son expérience et de la vie, comme si elle se partageait en tâches et en périodes distinctes. Cette division est toutefois utile, parce que même arbitrairement, elle nous fait faire comprendre le sens différent et complexe des événements critiques auxquels il fut voué. La première période est représentée par la correspondante avec Jacques Rivière, l'obélique des limbes, le personnaire, l'art et la mort, et après peu, l'exemple des textes réunis dans le premier volume des œuvres complètes. Ces textes constituent la méditation la plus riche et la plus subtile sur l'essence de la pensée. Ils constituent l'approche la plus vive de ce manque singulier qu'est la pensée, lorsqu'elle s'accomplit comme centre de la création littéraire. Là, Artaud, avec une force d'image, un raffinement d'abstraction, nous dit plus, et plus précisément sur le rapport de la pensée et de la poésie que les penseurs et en général les créateurs les plus appliqués. Lui-même, 20 ans plus tard, portera sur l'obélique des limbes et le personnage ce jugement. Sur le moment, ils m'ont paru pleins de lézardes, de failles, de platitudes, et comme partie d'avortements spontanés, d'abandon, d'addiction, de toutes sortes, voyageant toujours à côté de ce que je voulais dire, d'essentiel et d'énorme, que je disais et que je ne dirai jamais. Mais après 20 ans écoulés, ils m'apparaissent stupéfiants, non de réussite par rapport à moi, mais par rapport à l'inexprimable. L'expérience de la pensée poétique, comme manque et comme douleur, bouleversant. Elle engage celui qui l'éprouve dans la violence d'un combat. De ce combat, Artaud a été mystérieusement le lieu. Combat entre la pensée comme marque et de l'impossibilité de supporter ce manque. Entre la pensée comme le néant et la plénitude de jaillissement qui se dérobe en elle. Entre la pensée comme séparation et la vie inséparable de la pensée. Artaud, en 1946, dit encore sur ce combat « Et je n'ai jamais écrit que pour dire que je n'avais jamais rien fait, ne pourrais rien faire, et que faisant quelque chose, je ne faisais rien. Toute mon œuvre a été bâtie et ne pourra l'être que sur ce néant, sur ce carnage, cette mêlée de feu éteint, de cristaux et de tueries. On ne fait rien, on ne dit rien, mais on souffre, on désespère et on se bat. Oui, je crois qu'en réalité, on se bat. Après ça...
l'obélisque des limbes. Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Je n'aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glaciaires de mon âme intérieure bave sur moi. Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie que dans un essai extérieur intime de mon être à moi-même et qui m'apparaît comme une grossesse indifférente de mon esprit. Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas l'esprit. Je souffre que l'esprit organe, de l'esprit traduction ou de l'esprit intimidation des choses pour les faire entrer dans l'esprit. Ce livre, je le mets en suspension dans la vie. Je veux qu'il soit mordu par des choses extérieures, et d'abord par tous les soubresauts en cisaille, toutes les civilisations de mon moi à venir. Toutes ces pages traînent comme des glaçons dans l'esprit. Qu'on excuse ma liberté absolue. Je me refuse à faire de différence entre aucune des minutes de moi-même. Je ne reconnais pas dans l'esprit de plan. Il faut en finir avec l'esprit comme avec la littérature. Je dis que l'esprit et la vie communiquent à tous les degrés. Je voudrais faire un livre qui dégage les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller. Une porte simplement à boucher avec la réalité. Et ceci n'est pas plus préface à un livre que les promesses, que les poèmes par exemple qui le jalonnent ou le dénombrement de tous les rages du mal-être. Ceci n'est...